Salut les geeks, salut les geekettes, c'est Mathieu pour Metz Métropole et moi. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'un trio de choc et de charme. Ils nous présentent leur initiative en pixels, en texte, en images et en DAW face. Ikimashou. Salut l'équipe, racontez-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Carmini, j'ai 22 ans et je suis le cofondateur du Level Up. Je suis issu d'une formation en hôtellerie où j'ai ensuite enchaîné avec une formation à Supinfo pour devenir programmeur de jeux vidéo. Me voilà maintenant en tant que responsable du back-office au Level Up. Bonjour à tous, je m'appelle Constance Matz, j'ai 20 ans et je suis en train de terminer mon DUT dans les métiers du multimédia et de l'internet. Je suis cofondatrice du Level Up et également chargée en communication, c'est-à-dire que c'est à moi de promouvoir le bar. Salut, moi c'est Max, je suis ici en tant que barman, j'ai effectué ce métier-là à Paris donc je connais un petit peu, et également dans mon passé j'ai été community manager, c'est-à-dire que j'ai géré les réseaux sociaux pour un site consacré aux jeux vidéo et plus précisément à l'e-sport, d'où ma présence ici. Le Level Up, ça propose quoi ? Au Level Up, vous y trouverez des PC gaming, un flipper, des consoles de jeux, à savoir une Xbox One, une PS4 ou encore une Wii U. Grâce aux deux écrans présents dans la salle, vous pouvez regarder les diffs ou des rediffs e-sport et participer bien sûr aux différents tournois qui vous seront proposés lors des soirées. Nous souhaitons également mettre en avant la pop culture japonaise à travers une bibliothèque de manga ainsi que des soirées cosplay. Tiens, en parlant de soirées, nous organiserons régulièrement des soirées à thème ainsi que des ateliers découvertes. T'as faim ? Bah ça tombe bien, nous on va te proposer de restauration rapide. Des burgers, des panini, ce que tu veux. Si t'as soif, pour arroser tout ça, cocktail avec alcool, cocktail sans alcool, bière, tout un choix, plein de couleurs de l'univers geek. Et c'est moi qui l'ai fait, hein. Ah, et puis aussi des fois, il faut décrocher de son écran. Et pour ça, rien de tel qu'un bon jeu de société moderne. Il y a des plateaux, il y a des figurines, il y a des dés, il y a tout ce que tu veux, tu choisis. Et ça ouvre à quand ? Ah, mais pourquoi, pas, on a qu'à inventer une date. Faut leur donner quelque chose de concret. On avance, ça suffira. On va passer pour des pignoufs, bordel. Attendez, on revient. Bon, ok, on répond quoi, là? Je sais pas, le tournevis Sonic, il m'a dit rien, je crois qu'il est cassé. Mais comment ça, il est cassé? Mais bordel, mais c'est pas possible. Mais je sais, en plus on va passer pour des moldus, ça m'énerve. Rendez-vous, le